Ce soir, le temple du soleil, premier Nous nous épisode. trouvons donc au Pérou, à Callao, dans un pays que nos amis ne connaissent pas encore. En ce moment, ils sont dans le bureau du chef de la police de Callao et lui racontent dans le détail l'histoire qui les a amenés au Pérou. Si, Eh bien voilà, inspecteur. Muy bueno. Mais si j'ai bien compris, la situation peut se résumer ainsi. Votre ami, Tournesol, tournesol. Tournesol, Oui. a été enlevé et amené d'Europe au Pérou. Et voilà. Parfaitement, signor Si. inspecteur, c'est ça. Et vous avez de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve à bord du cargo Pachacamac. C'est ça. Celui qu'il doit arriver demain soir à Callao. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, et nous sommes sûrs que notre ami est retenu prisonnier sur ce rafio. Eh bien, monsieur, dès que le Pachacamac sera en rade, nous le ferons fouiller. Si réellement votre ami est à bord, il vous sera rendu immédiatement. Quelques instants plus tard, nous retrouvons nos amis dans les vieilles rues de Callao. Oh, regardez ces charmants animaux. Oh, cet air paisible et ce regard entre leurs longs cils. Trois lamas s'approchent, suivis à une dizaine de mètres d'un jeune indien. Haddock arbore son plus aimable sourire et s'avance. Non, seigneur, non, non. Et guili, 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 guili. Le beau petit lama. Il est gentil, le petit lama. Tu dois faire attention, seigneur. Eh ben quoi, on peut bien parler ensemble, non? Je vais tout de même pas te le manger, ton lama. Hein, mon brave petit lama, tu n'as pas peur du bon vieux capitaine Haddock, hein? Comme un siphon, le lama a projeté un violent jet d'eau au visage du capitaine. Quand lama fâché, seigneur, lui toujours faire comme ça. Oh, sale vilaine bête de tonnerre de bras! Mais qu'est-ce qui m'a fabriqué des animaux pareils? Oh, sale bête! Allez. Avec ses yeux de veau, donc. Et nos amis regagnent leur hôtel, le Cristobal Colon, sans s'apercevoir que depuis un moment on les suivait. Un Indien, chapeau rabattu sur les yeux, en poncho à raies jaunes, rouges et violettes, les épie silencieusement. Allô? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, seigneur inspecteur supérieur. Comment allez-vous? Comment? Le Pachacamac est en vue? Mais c'est merveilleux! Oui, comment? Bassin numéro 24. D'accord, nous arrivons tout de suite, merci. À tout de suite.